Bonjour Minecraftien, ici CLB35 en compagnie de Tin et Joff pour le nouvel épisode de Diversity. Quelle branche va-t-on faire aujourd'hui? Oh tiens, attends Joff. Oula. Donc Escape, je suppose qu'il faut s'échapper. Ouais. Donc là on a le choix entre trois Bouton kinds. rouge. Ok. Bouton jaune. Ok. Bouton vert. Ok. Et bouton bleu. Oh You will die. Oh mon dieu, mais. You think you know En me? fait, normalement, il y a un ordre, hein. J'ai juste pas du tout respecté. Parce que regarde, bleu, il n'y a qu'une laine bleue. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Et on descend. Et je te vois pas, putain. Vas-y, tue-moi. Et je te vois. Ah, je te vois. Des fois, on voit à La travers guêpe. sa capuche, à travers le monde. Donc, Bon, bah onze j'en prends, pages, hein. et à la fin de la 11e page, you will die. Mais C'est comme agréable. Le petit poussé, non, ça marchera pas. Le petit Alors. poussé avec les patates. Bon. En haut, le premier, c'était bleu. Bleu. Donc, ça, c'est vert. Ça, c'est jaune. Donc, le premier, c'était bleu. Bon, tu me suis, CLV, le premier, c'était bleu. Oh non. Ah merde. Tu t'es vu mal? C'est tellement facile. Aïe. Deuxième, donc on a dit c'était vert. Non, le deuxième, Attends, oui, mais elle sert c'était à quoi vert. cette salle? Ben, hop, et. T'as vu ce qu'il a dit dans le chat? I hate to say that. So, je t'avais prévenu. I told you. Il y a une trappe dessous. Ça sert à rien la trappe, il y a juste une lampe. Aïe 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 aïe! Loser. Aïe. Suicide! Suicide, j'ai bouffé une pomme de terre empoisonnée. Mais non, c'est même pas en essayant de t'échapper! Bah, je t'ai donné un coup tout à l'heure. Et les messages sont à droite. Bon, je comprends pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de trouver une sortie, donc en gros il faut essayer toutes les possibilités. Je sens qu'on va s'amuser. Ah, je me meurs. Tu te meurs. Et moi je me marre. En français, la traduction exacte de ça. Tinjo s'est fait piquer à mort. C'est la traduction française de se faire tuer par les cactus. Oui, bon, en anglais c'est What's a prequel to death, donc C'est pour une fois que la traduction est exacte. Tu t'es fait Bon, piquer et à si on mort. faisait des choses intéressantes? Ouais, ça pique le cactus. Bon, on va se séparer. Ah, j'ai tapé, je re. Il faut ramener 4 lampes ici. Je re. 9 lampes ici. Et pour ça, faut aller dans la salle verte. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que là, c'est voulu. Ça me paraît très logique. What? Where I am? Where am I? Y'a que Mike qui m'aille. Lol. En plus, y'a pile poil le bon nombre de lampes dans la salle, donc. Ça me paraît très logique. Me revoilà. Alors, j'essaie de comprendre ce qu'a fait mon frère entre-temps.
Il faut pas se séparer. Ah d'accord. Il est arrivé et il n'y a pas eu de bol. Watch for a falling anvil. Watch for a falling anvil. What the fuck? Non, c'est pas de là que je viens. Je viens d'où? Alors, Red. Oh, un coffre. Red. Voilà. Udi. J'ai Alors, enlevé toutes les lampes du verre pour les ramener au raid. j'ai eu Udi. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ah, c'est atroce ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te prends des flèches? Ouais, il y a un truc simple, cool. Attends, t'as le B, je suis dans la salle juste à côté. J'arrive pas à poser cette lampe. Oh non. Non, Mince. en fait, il y a un endroit, il y a une échelle. Il y a une échelle et il y a une plaque de pression en pierre. Et il y a un panneau écrit. You, are with it, man, missing. Et en gros, si tu montes sur l'échelle ou si tu sautes au niveau du bloc, il y a un truc qui tire des flèches enflammées. Voilà, donc j'ai éclairé une salle. Je sais pas si ça servait à quelque chose, mais bon. Bon, ceci c'est du suicide. Donc ta sortie n'est logiquement pas Vert, par là. vert, faut aller dans le rouge. Donc la sortie n'est pas par là non plus. Est-elle par là? Bon, pour l'instant on est paumé, mais pas. Map de connard. Bon, je vais sur le jaune. Ah d'accord, c'est Bon, là où je ça suis. m'énerve, je sais pas quoi faire, j'aime pas ce mode de jeu. J'aime Ah pas. là, le but c'est de s'échapper. Et j'aime pas ce mode de jeu. Je dois avouer, dans Diversity, il y a tous les modes de jeu possibles, mais il y en a que j'aime pas. Ouais, bah c'est normal, on peut pas tout. Non, 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 non! Comme ça, tu fais ce que tu aimes faire. C'est pour ça que je m'en contenterai du arena, du dropper, de ce genre de choses. Où il faut pas trop réfléchir. J'ai eu un œuf renommé Udi, donc si tu trouves une utilité à cet œuf, je Ubi? te remercie. Udi. Ubi, parce que Ubi, ça ferait Ubisoft, ce serait pas cool pour l'image des marques. Ouais, d'accord. Bon, j'aime bien trop les hobbies Ubisoft, hein, donc. Bon, allez, je marche au hasard, on s'en fout, on y va. Merde, ça c'est là d'où je viens. Est-ce que les mobs peuvent activer les plaques de pression en pierre? Oui. Et Bon, ça. bah, j'ai jeté Udi, ça a servi à rien. Ubi. Attends, mais concrètement, on peut activer. Si on est tous les deux au même endroit, on peut activer 4 plaques de pression en même temps en se mettant dans la lave. Ah non, je suis encore trouvé. Bon, bah. Bon, pour mourir plus vite. Les 4 activent la même chose, c'est pas la peine. Je n'aime pas ce mode de jeu, je n'aime pas. Je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Et je commence à voir la dalle un petit peu, donc. De chercher. Hein? Oula, oula, j'ai une salle bizarre. Oh, tais-toi. On va y faire gaffe. Putain, j'ai faim. Ah, bordel! En faisant hyper gaffe, j'ai dit! Alors on peut soit monter, soit descendre. Hein. Descendons. Qu'est-ce qu'on est? D'accord. Ah d'accord, le but c'est d'atteindre le premier. D'accord, Ouais. j'ai compris. Ah ouais, c'est logique. Comme ça, on se casse de l'immeuble. In case of pigman rise, rush your own. Ça veut dire ça vaut ses risques et périls si jamais les pigmen nous attaquent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tape les pigmen? Bonjour. Bon.
Au revoir. Lily. C'est quoi cette... Au revoir. C'est quoi cette... Ah, quoi? Elle est... Qu'est-ce que t'as fait? Ah. Il y a rien à faire, on était coincés de toute façon. Bon, moi je dois y aller un petit temps, donc essaye d'avancer un petit peu. Je reviens. A tout de suite, les Boovers. Les Boovers. Heureux. On va dire ça comme ça. Quoi? Ouais. Bon, bah je me suis absenté un peu trop longtemps, non? Oui, j'ai essayé de me retenir, mais au bout de 5 minutes de ton absence, bah j'ai fini la branche. Pour te dire, à la fin, il te disait qu'il fallait trouver un mot de passe, et ce mot de passe, c'était Escape. Ah ouais. En majuscule. Ce qui est logique. Ce qui est, et du coup, sécure, prochain... qui est logique. Bon, bah, tu expliqueras aux viewers que tu as dû t'absenter pendant une demi-heure, quasiment. Un peu plus, même. 40 minutes, presque. Voilà. Je suis désolé. Hein. Et... moi j'ai pas pu résister. Ouais. Bah, on est... Ni là. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me raconter ce qui s'est passé. En gros, je me suis pris 36 millions de pièges, dont un qui m'a fait spawn des squelettes dans la salle juste derrière moi. Et j'étais obligé d'y retourner. Notre. J'étais en train d'avancer sur un truc. Le principe d'un labyrinthe de lave, mais c'était pas vraiment un labyrinthe, c'était un truc linéaire. À la fin, on arrivait, il y avait un coffre. Derrière, il y avait un mur de lave. Tu ouvres le coffre, il y avait rien dans le coffre. Ça summon un zombie sur le coffre. Et ça le coup, pas tu vraiment summon, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Oui, mais ça fait spawn un zombie en tout cas. Ouais. Juste au-dessus du coffre. Au fait, ton pantalon est ridicule. Ah, mais normalement, il y a le truc 1.8 par-dessus. Que là on n'est pas en 1.8. Et je t'ai touché alors que j'étais à travers moi. Tu m'as touché alors que j'étais derrière toi, monsieur Ping. Ouais. Labyrinthe. Non. Tu veux pas nous faire souffrir? Labyrinthe. Bon bah, allez, au prochain épisode les amis. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était Albay. Désolé, vous n'avez pas vu intégral, mais il n'y avait rien de bien passionnant en plus. Désolé.